Merci madame de me donner l'opportunité pour édifier la jeunesse camerounaise dont je fais partie sur la possibilité de s'insérer dans la fonction publique camerounaise. Il faudrait déjà dire que c'est une conception assez biaisée de la situation actuelle de notre pays, étant entendu que celui qui vous parle est déjà un fruit du mérite, je peux l'affirmer. Mais également, il faudrait que la jeunesse comprenne que la réussite d'un concours s'accompagne de plusieurs exigences, parmi lesquelles la préparation. Il y en a qui pensent qu'il suffit de se lever un matin avec une licence et de faire le concours de l'ENA, mais qu'on réussira. Oh non. Vous savez, le concours a son approche, le concours a ses exigences, et si vous ne répondez pas à ces exigences, vous allez difficilement intégrer la fonction publique. Il faudrait que les jeunes comprennent que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissance. Et donc, pour réussir, il faudrait se donner les moyens. C'est le travail et seulement le travail. Donc, je ne partage pas ce point de vue selon lequel il n'est plus possible pour un jeune d'accéder à la fonction publique grâce à ses compétences, grâce à ses qualités intellectuelles.